j'allais nous poser, mais la nationalité du Kenya. Deuxièmement, je rejoins aussi les propos de mon collègue Bessette concernant le climat. Je pense que quand c'est pour des bonnes causes, tout le monde est là. Je pense que si tout le monde est de bonne foi, on parle du 25$, 200$, comme si à la base on était tout un petit peu achetable. Tu sais, c'est ça qui est un petit peu décevant dans le monde municipal, puis je pense que c'est ça qu'il faut arrêter, des commentaires Facebook. Je pense qu'à un moment donné, vous savez, plusieurs fois j'en parle, je pense qu'à un moment donné, on est un petit peu tanné, un petit peu aigu. Je pense que le commentaire d'Alain en fait foi, qu'on est un petit peu tanné de ces mentions-là. Dans une note positive, travaux du boulevard Sinaire, chapeau. Je peux vous dire que les excellents commentaires, c'est nettement plus sécuritaire qu'auparavant. Je pense que les gens avaient des appréhensions quand ils ont vu le design, mais quand on regarde comment ça se passe avec les boîtes de feu, c'est nettement plus sécuritaire qu'auparavant. Donc, bravo aux ingénieurs qu'on travaillait là-dessus. Je pense que les membres du conseil étaient bien conscients de ce qui s'en venait. Donc, je pense qu'on a des bonnes nouvelles de ce côté-là. Au niveau des boisés, je pense que le commentaire à Philippe était hyper pertinent. Moi, pour ma part, là, si on veut les protéger, nos produits, il faut les acheter. Moi, de passer d'une priorité de 1 à 3, à 2, je pense que c'est juste de retarder le problème. Puis, si on a la réelle préoccupation, bien, qu'on en fasse l'acquisition de ceux qu'on veut protéger. La conservation est là pour ça, d'ailleurs. Si on veut l'agrandir, bien, qu'on en fasse l'acquisition. S'il faut aller au référendum, on le fera. Je suis un petit peu les forêts tombent tantôt que j'entendais. Bon, oui, Douglas, c'est correct. Puis après, les frères Maïs, oui, c'est correct. Mais depuis ce temps-là, là, on a un règlement sur les boisés d'intérêt. À chaque fois qu'un boisé est coupé, il faut que ça passe au conseil municipal. Donc, je pense qu'on en a un quasi moratoire actuellement. Puis sur les décisions qu'on va prendre à l'avenir, c'est aussi économique. Donc, on a tous les moyens, tous les leviers pour défendre nos boisés actuellement. Donc, c'était mes commentaires aujourd'hui.